Bonjour chers élèves de la 7e et bienvenue à notre cours de français. Notre leçon d'aujourd'hui s'appelle les compétitions sportives. Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat francuskog jezika. Danas ćemo govoriti o sportskim natjecanjima. C'est parti! Koji su odgojno-obrazovni ishodi ove lekcije? Razumjet ćete kratki i vrlo jednostavni govoreni tekst na temu sportskih natjecanja. Pisat ćete vrlo kratki i vrlo jednostavni tekst na temelju predloška. Primjenjivat ćete jednostavne strategije za slušanje i pisanje, te ćete razvijati pozitivnu percepciju međuljudskih i međukulturnih odnosa nadilazeći stereotipe i predrasude. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un ordinateur, une tablette ou un portable, d'un accès à l'Internet et d'un cahier et un stylo. Important, vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Važna obavijest, ovu lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti i ponovo pokrenuti. Quelle compétition sportive connais-tu? Qu'est-ce que c'est? Oui, les Jeux Olympiques. Et ça? C'est le foot, oui, mais c'est quelle compétition? La Coupe du Monde. Et ça? Ça, tu reconnais? Bien sûr, c'est le Tour de France. Quel niveau de compétition sportive existe? Voilà, nous avons les compétitions sportives scolaires, municipales, régionales, nationales et internationales. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, s'il y a une compétition sportive dans une ville, est-ce que c'est une compétition sportive scolaire, régionale, nationale? Qu'est-ce que tu penses? Eh oui, c'est la compétition sportive municipale. Ça s'appelle municipale. Ensuite, si on a une compétition dans un pays, alors on l'appelle la compétition nationale. Voilà. Entre les pays, donc među državno, c'est-à-dire la compétition, bien sûr, internationale. La compétition peut être aussi dans une région, c'est-à-dire la compétition régionale. Voilà, c'est clair. Et enfin, nous avons la compétition dans une école. Cette compétition s'appelle la compétition scolaire. Voilà. Et maintenant, écrivez tout ça dans votre cahier. Pa prepiši sada u svoju bilježnicu. Aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo. Mais avant, voilà quelques mots qui vont t'aider à mieux comprendre. Danas ćemo gledati jedan video. Ali prije gledanja videa, evo nekoliko riječi koje će ti pomoći da bolje razumiješ. Les JO, les Jeux Olympiques, dakle kratica. Ville concurrente, ce sont les villes qui font la compétition, dakle gradovi koji se natječu. Les villes concurrentes. Ensuite, les endroits où vont se dérouler les compétitions, les stades, les terrains, les piscines. Dakle, mjesta gdje će se odvijati natjecanja. Sportski stadioni, tereni ili bazeni. Coûteux, c'est-à-dire qui coûte cher. Znači nešto što je skupo. Coûteux. Un réduisant le gaz à effet de serre,
smanjujući stakleničke plinove. Voilà. En regardant la vidéo, tu vas répondre à ces questions. Dok gledaš video, morat ćeš odgovoriti na ova pitanja. Alors, copie les questions dans ton cahier. Prema tome, prepiši sva pitanja u svoju bilježnicu. Voilà. Qu'est-ce que le CIO? Što označava kratica CIO? Quelles étaient les autres villes concurrentes? Koji su bili ostali konkurentski gradovi? Est-ce que Paris a moins ou plus de grands travaux à réaliser? Mora li Paris napraviti više ili manje radova? Comment les Jeux Olympiques de Paris vont respecter l'environnement? Kako će olimpijske igre koje će se održati u Parizu poštovati prirodu i okoliš? Quelle est la dimension sociale des jeux? Koja je socijalna dimenzija igara? Qu'est-ce qu'on va célébrer en 2024? Što ćemo slaviti 2024. Godine? Quelle est la date des Jeux Olympiques de 2024 à Paris? Kojeg će se datuma održati olimpijske igre 2024. Godine u Parizu? Alors, copie ces questions dans ton cahier. Prepiši ova pitanja. Dok gledaš video, možeš ga zaustaviti kako bi odgovorio ili odgovorila na pitanja. Voilà! Et voilà le lien pour la vidéo. I evo linka za pristupiti videu. Video možeš pristupiti na dva načina. Alors, d'abord, il faut copier, jedan od načina je da prepišeš, evo, ovu poveznicu u svoj internetski preglednik. Dakle, bit.ly/jo-paris, sa s, jeli? Ili, puno jednostavnije, očitaj QR kod sa svog ekrana. QR kod možeš očitati pomoću brojnih aplikacija za očitavanje QR kodova ili primjerice aplikacijom Viber ili Snapchat. Dakle, pokreni video i odgovaraj na pitanja sa prethodnog slajda. Bon travail! Et maintenant, nous allons parler des compétitions sportives mondiales les plus populaires. A sada ćemo malo pričati o najpopularnijim sportskim natjecanjima na cijelome svijetu. Et alors, on commence avec ce sport. Donc, vous voyez cette photo. Alors, de quel sport s'agit-il? Connaissez-vous? De quelle compétition? C'est le plus grand spectacle du sport américain qui est regardé par des millions de fans à travers le monde. C'est le football américain, c'est ça, et la compétition s'appelle le Super Bowl. Et ça, c'est quel sport ça? Quoi est votre sport? Qu'est-ce que tu penses? Ça s'appelle le cricket. Ce que représente le foot pour les Européens, c'est le cricket pour les Indiens. Et alors, la compétition s'appelle le championnat du monde de cricket. Et là, il s'agit de quel sport? Mais oui, tu reconnais, bien sûr, c'est le golf. Des meilleurs joueurs de golf au monde participent à cette compétition. Alors, comment s'appelle cette compétition? La Ryder Cup de golf. L'équipe des États-Unis contre l'équipe de l'Europe. Et ici, on a quel sport?
Oui, bien sûr, c'est le cyclisme. Donc la compétition la plus importante pour les passionnés de cyclisme, qui couvre 3 500 km sur une période de 23 jours. Alors, de quelle compétition s'agit-il? Hein? Comment s'appelle? Bien sûr, c'est le Tour de France. Et ça, c'est clair, le sport, c'est clair, c'est bien sûr, c'est le tennis. C'est le tournoi de tennis qui se déroule annuellement à Londres, avec les joueurs de tennis les plus populaires au monde. Alors, comment s'appelle le tournoi de tennis qui a lieu à Londres? Mais bien sûr, c'est Wimbledon. Et ça, bien sûr que tu reconnais. La compétition sportive la plus glorieuse, qui est composée d'un grand nombre de disciplines sportives. Mais bien sûr, ce sont les Jeux olympiques. Il y a les Jeux olympiques d'hiver et d'été. Et ça, je suis sûre que tu connais. Il s'agit de foot, bien sûr. Le championnat du monde des équipes nationales de foot, l'événement le plus regardé au monde. La Coupe du monde de football. Možda si se iznenadio ili iznenadila za neka natjecanja da su toliko popularna. Možda za neka nisi nikada ni čuo ili čula. Et maintenant, nous allons voir ce que tu as appris. A sada ćemo provjeriti koliko si zapamtio ili zapamtila i naučio ili naučila. Bah voilà, ici nous avons un jeu. A sada ćemo se malo igrati. Donc la procédure est même. Hein? Unesite u svoj internetski preglednik bit.ly/nty-igra. U plus simple, očitaj ovaj ovdje QR kod. Pristupi igri, odigraj i vrati se u video lekciju. Bonne chance! Les nombres ordinaux, redni brojevi. Quels sont les nombres ordinaux en croate? Koji su to, na primjer, na hrvatskom redni brojevi? Prvi, drugi, peti, osmi i tako dalje redom. To su redni brojevi. Kada ih koristimo? Pour donner l'ordre de plusieurs éléments, le rang. Kada nešto rangiramo. Formation, kako ga tvorimo? Nombre plus im, dakle potreba nam je broj, plus nastavak im. Osim kod broja 1, da bismo rekli prvi ili prva, na francuskom kažemo premier ou première. Voici quelques exemples. Hugo Lloris est le premier gardien de but en France. Le PSG est en deuxième position. La troisième étape du Tour de France se déroule le 8 juillet. Le volley-ball est le cinquième sport le plus populaire dans le monde. Kao što možeš vidjeti, uzeli smo broj, na primjer 2, i dodali smo im. I dobili smo redni broj, le nombre ordinaux, deuxième. 3, dakle sam broj 3. 3 plus im, troisième, 5 plus im, cinquième, et tako redom. Alors, copie maintenant ces phrases et la formation dans ton cahier.
Pa prepiši sada u svoju bilježnicu kako tvorimo redne brojeve i ove ovdje primjere. Et voici les nombres ordinaux de 1 jusqu'à 10. Alors, 1, on dit premier ou première. Ovdje razlikujemo muški i ženski rod, samo kod broja 1. 2, on peut dire deuxième, možemo reći deuxième, tada ne razlikujemo muški i ženski rod, ali također možemo reći i second ili seconde. U tom slučaju radimo razliku između muškog i ženskog roda. 3, troisième. 4, quatrième. 5, cinquième. 6, sixième. Dakle, čitamo sa z, sixième. 7, septième. 8, huitième. 9, neuvième. Ovdje se f pretvara u v. 10, dixième. Copie maintenant ces exemples dans ton cahier. Et voilà un exercice. Complète avec les nombres ordinaux. Evo sada jedan zadatak da provježbaš redne brojeve. Alors, nous avons quatre phrases, imamo ovdje četiri rečenice, que tu vas copier dans ton cahier, koje ćeš ti prepisati u svoju bilježnicu i koje ćeš popuniti sa rednim brojevima. U zagradama se nalazi broj koji moraš pretvoriti u redni broj. D'accord? Alors, les Jeux Olympiques antiques ont eu lieu du... Pa ovdje. Moraš popuniti. Siècle avant Jésus-Christ au... Opet popuni. Siècle après Jésus-Christ. Chamonix était la ville des Jeux Olympiques d'hiver. La France a été le popuni, pays le plus médaillé aux Jeux d'hiver de Sarajevo en 1984. En 2018, la France a été la popuni, nation sportive au monde. Voilà, bonne chance. Devoir. Alors, après avoir complété les phrases précédentes, hein, du slide précédent, tu vas les lire et enregistrer. Donc, enregistre les phrases du slide précédent et envoie-les à ton prof de français. Što je dakle za domaću zadaću? Pročitat ćeš rečenice koje si napravio u prethodnom zadatku, popunjene naravno sa rednim brojevima, snimit ćeš se i poslati tu snimku svojoj učiteljici ili učitelju francuskog. Pour enregistrer les phrases, tu peux utiliser l'application Vocaro. Dakle, za snimiti svoj tekst, svoj domaći, možeš koristiti aplikaciju Vocaro. Bon travail! I za sam kraj današnje lekcije, procijeni koliko si naučio ili naučila. Sada mogu na francuskom. Nabrojati četiri najgledanija sportska natjecanja. Imenovati tri razloga zašto je Pariz pobjedio u utrci za olimpijske igre koje će se održati 2024. godine. Navesti dva vlastita primjera rečenica s rednim brojevima. To mogu u potpunosti, djelomično ili nedovoljno. Ukoliko je tvoj odgovor nedovoljno, vrati se ponovo u video lekciju na one dijelove koje ti nisu bili jasni. Pa ponovim. Chers élèves, on est venu à la fin de notre leçon d'aujourd'hui.
Alors, je vous remercie et à la prochaine.